Bonjour et bienvenue sur Mémoire des Hommes. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'un survivant de la guerre de 14. Grand écrivain ayant rendu un vif hommage à ses camarades dans son ouvrage « Ceux de 14 », vous avez certainement deviné de qui nous allons parler, Maurice Genevoix. Maurice Genevoix naît le 29 novembre 1890 à Decize, dans la Nièvre. Fils de Gabriel Genevoix, agent d'affaires et greffier de justice, ainsi que Camille Balichon, fille d'un épicier, il descend d'une famille de médecins et pharmaciens du côté de son père. À ses 1 an, ses parents migrent dans le village natal de sa mère pour reprendre l'affaire familiale, une épicerie et mercerie. En 1903, alors qu'il n'a que 12 ans et son petit frère 9, leur mère décède soudainement d'une attaque d'éclampsie. Les jeunes orphelins de mère et leur père resteront marqués à jamais par cette perte. Scolairement, Maurice Genevoix est brillant. Il arrive premier ex aequo au certificat d'études de son canton, puis entre au lycée Potier d'Orléans. Il passe ensuite au lycée Lacanal à Sceaux, où après 3 années de cagne, il entre en école normale supérieure à Paris. Son statut d'étudiant lui permet de réaliser une année sur les 2 prévues au service militaire. Il est incorporé au 144e régiment d'infanterie à Bordeaux. À son retour en école, il travaille durement et 2 ans plus tard, il présente son diplôme de fin d'études. Il ressort premier de sa promotion. Lorsque la Grande Guerre éclate à l'été 1914, Maurice Genevoix, alors officier de réserve, est mobilisé dès le 2 août. Il est incorporé au 106e régiment d'infanterie, dans la 8e compagnie jusqu'en octobre, puis passe dans la 7e compagnie, appartenant à la 3e armée commandée par Ruffet puis Serrailles. Février 1915, la 24e brigade d'infanterie, composée du 106e et du 132e régiment d'infanterie, est missionnée pour reprendre la crête des Éparges. Les combats d'une horreur inouïe se poursuivent du 17 février jusqu'au 9 avril, où les Français reprirent enfin la crête. Maurice Genevoix, dans l'émission Le Grand Échiquier du 29 janvier 1976, évoque ces heures sombres qu'il a vécues. Elle me touche parce que j'ai traversé, Chancel y a fait allusion tout à l'heure, j'ai traversé une expérience, d'ailleurs incommunicable. Et c'est ça la tragédie, c'est ça le drame de notre époque, c'est que les « je n'ai pas voulu cela », ça arrive toujours trop tard. Et en même temps, ce qui me concerne, je voudrais tout de même dire un mot. Nous avons été, nous, par exemple, de mon régiment d'infanterie pendant la guerre, en 15. Pendant 2 mois consécutifs, on nous a ramenés sur la colline des Éparges, où à chaque fois c'était un casse-pipe, vraiment une boucherie. Et alors, on nous ramenait, les survivants, les rescapés, vraiment les ressuscités, on nous ramenait sur les mêmes champs de carnage, où nous retrouvions d'une relève à une autre les cadavres de nos camarades un peu plus corrompus et défigurés qu'avant. Alors on avait le sentiment d'une roulette russe. Et ça aboutissait alors à cette espèce de conviction intime qui d'ailleurs aboutit à retardement aux mutineries de 1917. Et on peut même s'étonner que ça ne se soit pas produit plus tôt, avec des erreurs de ce poids au point de vue psychologique et sur la notion qu'on peut avoir de la résistance morale de l'homme. Bon, eh bien, c'est ce que je voulais dire, et je voudrais ajouter ceci, c'est que je ne parle pas au nom de ces anciens-là, mais j'estime que tous les hommes qui ont passé par là ont droit au respect et même à l'affection et à la reconnaissance de tous. Et alors, chaque fois que j'ai vu des comédiens, enfin, qui... Avant la guerre, j'ai parlé de Paulin tout à l'heure. Le Tourlourou, ça allait. Maintenant, ça ne va plus. Ça ne va plus parce que, je le répète, c'est une expérience malheureusement incommunicable, mais c'est dans une certaine mesure dommage, parce que si elle était communicable, eh bien, nous mourrions tous de mort lente, si j'ose dire. C'est dans ces combats que le 20 février 1915, le meilleur ami de Maurice dans cette guerre, Robert Parchon, tombe au champ d'honneur. Les combats se poursuivent sans que les Allemands ne parviennent à reprendre le terrain, mais le 25 avril 1915, près de la colline des Éparges, à Rupt-en-Veuvre, Maurice Genevoix est grièvement touché. Il raconte. Dans une trouée, j'ai été aperçu par des tireurs de la ligne d'assaut allemande. Ce tireur m'a collé une balle dans un bras. Je suis tombé sur place, mon bras saignant et giclant. Le tireur allemand qui me voyait à manœuvrer sa culasse m'a collé une deuxième balle. Il m'a attrapé le même bras.
J'essayais de remuer, mais j'étais stupéfié, je ne pouvais pas, matériellement. Il a remanœuvré sa culasse et il m'a reflanqué une troisième balle qui, celle-ci, m'a atteint à la poitrine. À ce moment-là, j'ai senti que certains de mes hommes me ramassaient, me portaient dans un abri. Heureusement pour moi, il y avait 9 mois que je vivais avec ces hommes et je crois qu'ils m'aimaient bien. Et il s'en est trouvé 4 pour m'emmener pendant des centaines de mètres sous les balles qui continuaient de voler et de frapper. C'est magnifique. Jusqu'à un poste de secours. J'étais allongé sur une civière, par terre, au milieu des jambes qui allaient, qui venaient, au milieu des cris. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu le lieutenant l'a enlevé et on m'a collé dans une espèce de petite tapissière qui nous a amenés jusqu'à Verdun. À chaque chaos, j'entendais autour de moi des cris. À un moment même, un de ces cris avait retenti très proche et je me suis dit, quel est l'animal qui gueule comme ça ? Et la seconde d'après, je me suis dit, mais tiens, c'est moi. J'ai repris un peu conscience et mes sens dans une toute petite chambre d'hôpital, très nue, en présence d'une infirmière, c'était dans une solitude absolue, qui m'a piqué la cuisse et puis elle a fermé la porte. Il n'y a plus eu que le silence, la solitude, les parois glauques de cette petite cellule d'hôpital. Et heureusement quand même, devant moi, la vie. Eh bien, quand on a pensé pendant des mois, et tous les jours, et à toutes les heures, que la mort pouvait frapper, j'ai voulu témoigner. J'applique mes dons d'expression, mes dons d'écrivain, disons, même servilement, humblement, à exprimer une réalité donnée. J'ai voulu déformer le moins possible. On était obligé d'opter entre tuer et être tué. La convalescence de Maurice durera 7 mois, passant de l'hôpital de Verdun, Vittel, Dijon et enfin Bourges. Il ne repartira pas au front, ses blessures sur le flanc gauche et au bras le marquèrent à vie et il perdit l'usage de sa main gauche. Il retourne à Paris et devient bénévole dans une association. Le directeur de l'école normale lui propose de reprendre ses études, mais Maurice Genevoix refuse et préfère se concentrer sur la rédaction de son témoignage de guerre. En 1919, il n'échappe pas à la grippe espagnole et retourne sur ses terres natales. Il s'installe près de la Loire et s'adonne à l'écriture et la peinture. Il recevra le prix Goncourt en 1927 pour son ouvrage Rabolio, paru 2 années plus tôt. En 1937, il épouse Yvonne-Louise Monrosier et celle-ci décède l'année suivante. Lors de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, il quitte sa terre natale pour s'installer en Aveyron. En 1943, il épouse Suzanne Nérol et donne naissance à une petite fille en 1944. Après-guerre, il retrouve sa demeure en bord de Loire, saccagée. Il servira à l'Académie française de 1946 à 1974, année où il démissionne, voulant se consacrer à l'écriture d'autres ouvrages. Il quitte alors Paris et revient à son port d'attache, sa petite maison en bord de Loire. Octogénaire, il publia 3 autres ouvrages et nourrissait un nouveau projet de roman. Maurice Genevoix décède le 8 septembre 1980, lors de ses vacances en Espagne. Il laisse sur son bureau 2 projets d'écriture inachevés, mais laissera surtout les nombreux écrits et hommages à ses camarades de la Grande Guerre, ceux de 14. Il sera enterré au cimetière de Passy, avant de rentrer au Panthéon le 11 novembre 2020. Maurice Genevoix est un écrivain de talent, ayant utilisé l'écriture comme thérapie et comme exutoire face à ses souvenirs de guerre. Il écrit, de 1916 à 1923, toutes ses mémoires de guerre, par la suite rassemblées dans ceux de 14. Si l'on considère Genevoix comme l'un des plus grands écrivains de guerre, c'est en toute légitimité. À lui seul, il est parvenu à décrire la guerre, la vraie, la censurée, celle que les soldats vivaient réellement, les horreurs, les peurs, la mort. Maurice Genevoix, c'est l'histoire d'un écrivain dévoué pour qu'à jamais vive la mémoire de ceux de 14.